Eh bien, salut tout le monde, c'est TheGameFR, j'espère que vous allez bien. Et aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo pour l'épisode 3 de Crash Bandicoot 4, It's About Time. Merci Crash d'avoir d'ailleurs fait une petite danse, hein, vraiment, je remercie à toi. La dernière fois, on s'était raté lamentablement, ou c'était un échec, hein, vraiment, on a mis du temps juste pour un seul niveau. Cette fois, moi, ce que je propose, c'est très simple, on rush comme des gros porcs. On est les guerriers ultimes, on rush comme des porcs, mon pote. Y a pas cette histoire de mon pote, c'est quoi, cette fois je rush tout et on fera en live en fait un truc pour quand on va choper toutes les... Quand on va choper tous les Wumpas, on va faire ça justement. Je mettais peut-être un truc secret au cas où. Bon allez, on a pas le temps. Oh, et hop hop. Tu sais quoi, attends, est-ce que peut-être qu'il y a un Wump? Il y a un masque secret peut-être, je ne sais pas. Hop. Voilà, moi je passe en mode rush ultime, hein, c'est bon. Hop, voilà, terminé, bonjour. Hop, premier checkpoint. Oh, bonjour. Allez, dégage. Bah voilà, j'ai pas le temps du tout. Alors, ce que je viens de faire, c'était assez stylé. Oh merde, il m'a touché, bon c'est pas grave. En même temps j'ai mis un peu de temps à sauter parce que j'ai oublié qu'on avait un double saut. Tac. Ok. Oh putain, j'ai failli sauter dans le vide. Ah merde. Bon, ça c'est ce qui s'appelle essayer d'anticiper. Très mauvaise idée. Ok, bon bah genre, j'ai pas fait les caisses, c'est bon. Non mais là par contre, Crash, t'abuses. Bon, tu sais quoi, mais c'est bon. On a dit comme je fais, gros, je rush les caisses, j'en ai rien à foutre. Ouais, mais tu fais ça, voilà, comme ça moi j'ai la caisse. D'accord, non mais là si, je savais même pas qu'elle pouvait me toucher de là, mais bon. Ferme ta gueule. On va bien attendre. Hop. Ok, hop. Ok, hop. C'est quoi ça? D'accord, je sais pas vraiment ce que c'est, mais bon, tant pis. Alors comment c'est quoi déjà les touches sur ce truc? Oh pétant. Si je meurs c'est normal. D'accord, bah voilà. Je sais plus c'était quoi la touche pour descendre, j'adore ma vie. Comment on fait pour descendre? C'est rond. Ah c'est rond, putain. Ok. Mais bah oui, dès qu'on joue longtemps, je sais même plus c'est quoi les touches quoi. Mais Crash, en fait, c'est quoi ton projet, là, en fait? Il y avait une caisse là-bas. J'en sais rien, mais bon. Alors, on va faire très gaffe, parce que la micro commence. Alors, juste un truc, comment ça se fait que tu ne t'es pas pris mon coup, en fait, connard? Oh, ta mère! Voilà, on se casse. Qu'est-ce qu'on va faire là en fait? C'est quoi notre but dans la vie? D'accord, mais juste tout à l'heure, c'est pas pris mon coup, je ne sais pour quelle raison. D'accord, au revoir les caisses. Mais attends, mais d'où il me touche de là, mec? C'est pas normal! Non, mais là, revoyez votre hitbox, s'il vous plaît.
Non mais sérieux, le gars il me touche alors que je suis à 4 mètres de lui. Oh putain. Oh, je meurs pour des trucs débiles. Ferme ta gueule. Oh, reste ta gueule, toi. Pète les couilles. Ça, c'était un truc risqué parce que je savais pas si j'allais passer. Hein. Ah, c'est pas ça. Spinner! Ouais. Comment je fais pour activer mon masque? C'est ça que je vais faire en premier. D'accord, ça c'est ce qui s'appelle paniquer. Au pire, je m'en fous, je. Oh ta mère! Oh merde. Ok, je me disais, est-ce qu'il me. Mais putain, t'as. Vas-y, fuck le niveau bonus, frère, j'en ai rien à foutre. On va pas perdre du temps sur. Oh ta merde, mais vas-y, la perspective dans ce jeu. Mais mec, attends, on en parle de la perspective, gros. Oh ta merde, toi. Voilà, donc j'en ai un fou tout ça. Oh, je suis con. Oh. D'accord, on peut sauter pour esquiver les attaques, ça c'est. Alors comment on appuie Dieu? Voilà, comme ça. Ok. 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 Wow, 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 wow. Checkpoint. Ah, c'est quoi ça? Ah oui, c'est vrai. Un truc là. Oh d'accord, il y a du vide en bas. Je prends pas le risque. Oh putain, mais c'est quoi ce bordel? Ah mais attends, mais genre ça me tue ça? Mais mec, on te met au courant de rien, s'il te plaît. Rien à foutre de l'autre point doré de mes couilles. Ah non. Putain, enfoiré, la, le Wumpa qui me trahit, quoi. Fin du niveau, c'est ça. Ok, cool. Bon, pour une fois, je les rush. Je me suis dit, c'est bon, vas-y. Moi, j'en ai rien à foutre. J'en ai rien à foutre. Moi, je continue. On fera plus tard tout 100% dans des lives ou quoi, les gars. Donc, voilà. Écoute, moi, j'ai pas le temps, d'accord. Bon, on va voir la suite de l'histoire. Ouais, moi, je rush, j'en ai rien à faire. Ah, un petit niveau bonus. Mais c'est quoi ça? Ah, d'accord. Excellent. Mais je m'en bats les couilles. On continue, hein, écoute. On n'a pas le temps. On n'a pas le temps, nous. Tu sais quoi, je passe en mode speedrun, mec. Là, on y croit. Je vais pas trop utiliser Guess Who ou pas. Parce que... Oh, attendez, cinématique. Oh, il est mignon. Alors, bon, j'imagine que ça faut pas trop toucher, hein. Ta mère, toi, foiré, on va crever.
D'accord, bonjour. Merci. Merci. Oh putain, la caisse me gênait, j'ai paniqué. Alors, ok. Allez, checkpoint. Hop, voilà le pro gamer. Est-ce qu'il vit the ass, bitch? Oh, bâtard, il voulait... D'accord. Les caisses enflammées, d'accord. Ah, attends, parce que le truc est où, là, en fait? D'accord. Allez, là, je suis en mode ultra instinct, personne m'arrête. Quoi, un peu de cortex? Bon, au niveau bonus, hein, faites la vie. Enfin, j'ai pas mon temps, hein. Alors, toi, espèce de petite pute, tu fermes ta gueule, là. Ok, putain, au début, je sais pas s'il y avait un truc ou pas. Ouh. Allez, rip. Ok. Oh, pute. Oh, là. Ah, bah, ouais, je peux les tuer comme ça, direct, en sautant. Pourquoi je me prends la tête comme ça? Alors, c'est quoi ce bordel? Ah, oui. Hop, 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 hop. Bon, ouais. Hop. Oup. Ok. Ah, c'est full shot. Oh putain, je l'avais pas vu. J'ai paniqué, d'accord. Ne jugez pas. C'est quoi, on va redescendre sur lui. On est sûr de se pas prendre la TNT. Allez, bégo, my friend. Oh, ta mère, il va me trahir. Ok, bonjour. Ah. Oh putain, je me suis trompé de touche. J'ai appuyé sur rond au lieu de RT, je sais pas quoi là. Oh ta mère. Ah. Ça parce que je... J'ai oublié la touche quoi. Voilà, cette touche là. Alors attention. What? Comme ça, hein? Oh putain. Alors je vais attendre qu'elle remonte d'abord. Hein. Non. Non, parce que voilà quoi. Quand même, j'en ai rien à foutre, j'attends là. Et je fais un méga saut. Non mais en fait ta mère crush. Genre vraiment. Arrête tes conneries quoi. Le moment chiant dans le jeu vidéo, c'est la file d'attente. Putain mais c'est long ça mère. Allez saute. Voilà. Oh merde. Ah bah d'accord, là j'aurais pas dû appuyer en fait. J'ai réappuyé comme un idiot. Oh putain, mais ce truc j'y comprends jamais rien à chaque fois. Voilà, faut juste faire ça en fait. Hein, j'adore ma vie. Putain, j'oublie à chaque fois, bordel, que ça te tue ce truc de merde mec. En fait, je meurs simplement parce que j'oublie les trucs, en fait. Simplement parce que je sais pas, j'oublie la mécanique, ou il y a un truc comme ça, là. Un truc de merde. Ouais, ta gueule. Bon, le truc à droite, j'en ai rien à foutre. Ouais, c'était là pour descendre et tout, mais... Il me touche là ou pas? D'accord. Je savais pas trop s'il me touchait. Oh le bat. Non, je peux avec la corde, je peux le rendre invisible. Attends quoi? Attends mais j'ai même pas appuyé.
Attends, ah mais non, pardon, je suis con, c'est vrai, c'est le... Vas-y, fais tes flammes de merde. Hop là. Pardon. Merci. Allez, putain, c'est ce jeu là, c'est patience incroyable. Oh putain, je pensais qu'il allait pas direct descendre. Bah j'adore ma vie, hein, corps de merde. Je pouvais pas genre rester une seconde de plus. Putain. J'aime pas attendre, tu vois, c'est chiant. C'est pour ça en fait, je veux trop rush parce que c'est trop long. J'ai pas vu si à la base il y avait de la nitro, c'est bon. Oh, ferme ta gueule, connard. Allez, fais ton temps. Voilà, t'as fait ton temps. Bon, maintenant il y a lui là. Ce petit bâtard là. Mais j'appuie sur rond, putain de jeu de merde. Oh, connard. J'appuie sur rond, qu'est-ce qu'il me fait? Ben il me fait, bah non, t'as pas appuyé sur rond. Faut que je vois le des Wumpa, franchement. Là, comme par hasard, il fait une sorte de truc chelou, hein. J'adore. Alors, attends. Ah, là, ils ont ça. C'est la maman, en fait. Voilà. Ah, les flammes de cube de merde. Putain. Oh, en plus, je reprends là, mais ta mère. Hein. Ah putain, c'est chiant cette zone, hein. C'est vraiment chiant. Voilà, c'est bon. T'as fait tout le temps. Ouais, c'est bon. Ah oui, on va plus bien me poursuivre. Un camion géant, ça marche. Allez, je suis prêt. On va dans la boule. Je sais pas si on peut courir. Non, pas vraiment. Est-ce qu'on peut sauter? Ça marche, j'ai raté les caisses de Wumpa. Je pense qu'il faut sauter à travers l'eau parce que... Parce que je crois que l'eau me ralentit en fait. En fait, j'ai suivi les Wumpa ils donnent toute la zone. Alors genre je l'ai touché. Genre je l'ai retouché. Bizarre que là mon joystick. J'ai eu flippé ma race, c'est bon. Ah, arrête. Ça faut sauter bien avant ou c'est quoi en fait? Hop là, c'est bloqué. C'est bloqué. Bon là il est trop, t'inquiète pas que je vais pas la prendre. Ah merde, je pensais qu'il fallait sauter. Wow, 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 c'est quoi ça? Très bien. J'ai pas du tout compris mais c'est pas grave, on s'en fout des Wumpa. Merde, je pense que ça marche. Ok, ok. Oh, franchement, cette zone easy money. Ça, c'est un fail par exemple. Ah non, même pas. Ah si, c'est un fail, je dis, il me rattrape clairement du coup. Et d'où je me les prends tes barbelés à la con? Oh, je peux y tomber. Oh là. Ok. Quelle est cette chose? D'accord. Je sais pas trop à quoi ça servait. Attends, en rechange, j'ai quand même fait 141 sur 168 quand même. Bon bah go faire dernier niveau alors. De ce monde. Bon, on a... Bon, ce niveau-là, il fallait un peu être patient, quoi. Et j'avais pas... Là, apparemment, j'étais un peu impatient ce moment-là. Karma dans ma gueule, hein, je veux dire. Donc là, on a un boss. J'adore ma vie. C'est parti.
Ah, c'est sur ce niveau que ma soeur a galéré. Oui, parce que ma soeur aussi joue, elle avançait plus que moi. Parce que moi, j'avançais que lorsque je faisais des vidéos et elle, pas du tout, du coup. Et elle avait galéré sur ce boss, mais soit je pense qu'elle comprenait pas trop comment ça marchait. Applaudissez bien fort de vos petites mains. Tête croquée. Here we go in the cancer bitches. Voilà, attends, là je vais faire quoi tout de suite. Et une cage, je dois juste le détruire, ok, pour un point easy money. Vas-y, joue ton petit cancer. Ah, je dois viser sa cible. Ouais, cher. Tu n'aimes pas le death metal? Franchement, le métal, je kiffe. Guitar Hero, frère. On est passé de Crash Bandicoot à Guitar Hero. Ah merde, je l'ai raté. Mais je l'avais pas vu, putain. Connard. En tout cas, on va se mettre au bout, en vrai, mec. Hein. En vrai, c'est... En tout cas, en vrai, on va rester sur une ligne. C'est plus simple. Et dès qu'il y a un ennemi, hop là. Voilà. Voilà. Hop, voilà. Hop là, ta gueule. Hop. Oh ta mère. T'as pas eu me la mettre celle-là. Hein. Tu peux pas lancer un connard là? Attends mais attends mais je bourrine la touche carrée. Alors là par contre y'a un problème dans ton jeu mec. J'étais en train de bourriner la touche carrée d'un coup il fait bah non. Alors, en fait il a un petit délai parfois Crash. C'est ça. Parce que à la limite je vais attendre d'être au bord hein, écoute je vais pas bouger. Pardon. Non mais mec j'avance et je fais une glissade mais... Mais en vrai je peux rester là. Ah mais d'accord. En fait c'est juste pour après ou le temps ça sera un peu... Bon je l'avoue je l'ai pas vu celui-là, j'étais concentré sur... Ah bah en vrai, attends mais faut juste faire ça en fait. Un truc pas du tout dynamique. Je me dis aussi pourquoi il reprend pas le connard. Allez, sors ton petit ennemi là. Tu fais quoi? J'aime bien ton métal, mais que lorsqu'il sort des ennemis. Ah, voilà. Ah parfait. Ok non d'accord, fallait détruire une des deux. Et là je fonce. Ah putain. Bon ça va. Ok vas-y. Je t'attends. Ok. Ah putain, il y a des moments où je devrais changer de truc. Ok. Ça c'est bon à savoir. Ah quoique peut-être au milieu c'est peut-être le meilleur en fait. Peut-être qu'il va jamais changer. Ok. Le death metal mon spark. Voilà, hop là, c'est réglé. Parce que au cas où j'ai peur de tomber d'un pic quand même. Allez viens là. Hop là. On va faire ça à la gueule. Ah d'accord. Comment il vient l'ennemi? Ah d'accord, c'est moi qui dois aller chercher. Mais vraiment on adore hein. Voilà. Ah mais au bout d'un moment ils disparaissent, ok. Ah bah écoute je vais camper celui-là. Non? C'est pas une bonne idée.
Voilà, et là par exemple. Ah, je pouvais même tuer l'autre, mais bon. Bon, au pire. J'ai vraiment cru que j'allais tomber dans le vide, c'est bon. Moi je m'en fous, je crois que cette zone et puis c'est tout. Voilà. Et voilà. D'accord, et là comment tu fais? Oh bâtard, il a pas pris le camion. Connard de crash de merde. Mais regarde la perspective, mec, c'est trop dur. Tu peux pas le sans tomber comme une merde. Bah vas-y, reviens. Ah bah d'accord, ça reprend direct. Bon, en fait, ce qui est bien, c'est que le temps ici, t'en as pas besoin en fait. Tu vas juste avoir ce temps là. Donne-moi ton masque, bâtard! Papadapa! Victory! Ah, c'est vraiment. Pfff! Wow, mec, on dirait vraiment les gosses de ce. Magnifique création! Comment ils se sont moqués? Oh, le nouveau masque! Alors lui, je l'aime bien, il est mignon. Oh non, mais non, mais non! Une bande de putes! J'avais même pas le droit! Putain, les enfoirés, ils m'ont trahi. Bon bah les couilles. Enfin si, quand même, je suis un peu deg de pas récupérer le masque, mais bon. Écoute, c'est la vie. Et du coup, il s'est barré dans une autre faille temporelle. Et du coup, est-ce qu'il y aura un autre masque avec lui? Ah non, non. Non, on doit juste récupérer lui, ok. Youhou. Bon bah voilà les gars. Fin de la vidéo, hein. Écoute, on a déglingué un boss, et puis voilà, tranquillement, D'ailleurs, dites dans les commentaires si vous aimez le rock et le métal. Perso, moi, je kiffe. Bah, du coup, abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. Parce que, franchement, ça ferait super plaisir. Likez la vidéo. D'accord, Crash, tu sens mal des pieds. T'inquiète pas, ça arrive à tout personne dans le monde. Vas-y, tape-nous ta petite danse, voilà, pour te conforter. Du coup, partagez la vidéo si vous êtes une âme charitable. Clochez ma chaîne pour recevoir toutes les notifications et rater aucun autre épisode. Et puis, portez-vous bien, comme le dirait Brahim. Je vous dis, game over.